Eh bien salut à tous les gens, c'est Exorstorm, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve sur la Know Your Rage pour mon tout premier commentary. Un commentary qui j'espère vous plaira. On m'a donné la chance de commenter parce que normalement je suis player et j'ai toujours voulu être commentateur. Mais je tiens juste à préciser que je parle super vite, je sais pas pourquoi, dès que j'ai un micro dans les mains je parle vite. Donc si vous arrivez pas à suivre, vous pouvez repasser plusieurs fois le passage, ça me dérangera pas. Bref, je vais essayer de me donner à fond et j'attends de voir vos retours en commentaire. Tout simplement parce que c'est mon premier vrai commentary sur une team telle que la Rage et j'espère m'améliorer par la suite. Voilà. En gameplay en fond, vous aurez une double nucléaire sur MW2 à l'UMP45 de Rage Ghost avec l'accent anglais, t'as vu? Félicitez-le dans les commentaires, ça lui fera super plaisir. En plus, c'est un très bon gameplay. GG à lui. Bon, j'étais tranquillement en train de regarder les Winx Club. Les Winx Club, putain. J'étais sur la saison 1, épisode 3, quand tout d'un coup, illumination qui arrive sur ma tête. Bref, je repense au gameplay code tête que j'avais vu il y a quelques semaines. En effet, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Enfin, 2 ou 3. Mais c'est beaucoup quand même. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des quelques choses qui m'ont déplu. Et on pourra débattre ensemble de ce qu'est-ce qui vous déplaît, etc. Et on sait jamais si Treyarch passe par là. D'ailleurs, dédicace à toi. Bon, déjà, on va parler du sniper. Le sniper, je suis pas très fan. Même si j'ai jamais été fan du sniper en général. Mais je vais plutôt vous parler ce qu'il y a autour. Pas de ton écran, putain, je parle du jeu. Autour du viseur. En effet, on voit flou. On voit flou. Ça vous dérange pas? Non, parce que c'est un code 4 quand même. J'aimerais bien retourner aux sources. J'aimerais bien qu'on revoie une noire comme au début. Et moi, ça me ferait super plaisir. Je sais pas vous, mais des retours aux sources, ça fait vraiment plaisir. Qu'ils nous fassent un remasterisé, c'est excellent. Mais pourquoi pas garder les bases des anciens codes? Non, parce que perso, je suis pas joueur sniper. Mais ça peut déranger certains. Surtout ceux qui étaient snipers sur les anciens codes. Ils se disaient peut-être, ouais gars, putain, on retrouve l'ancien sniper, ça va être trop cool. Et au final, pas du tout. Ouais, bah tu peux envoyer une lettre à Treyarch, ça va rien changer mon gars. Bref, je disais donc, moi ça me déplaît et je préférais avoir l'ancien sniper. Enfin pas les anciens snipers, mais en tout cas le contour noir qui est autour du viseur. Ensuite, non parce que moi il y a plein de trucs qui m'ont déplu. Dans ma deuxième truc qui m'ont déplu, franchement, c'est les médailles. Non parce qu'entre nous, les médailles, mais ça va jouer sa vie. Non, je vous le dis, clairement, ça va jouer sa vie. On se rappelle pas sur Black Ops 3. Ouais gars, j'ai fait une putain de nuque. Eh ouais, mais t'as campé, c'est pas légit ça. Non sérieusement, faire une nuque en campant, c'est aussi légit que faire une nuque en titan, s'il te plaît. Enfin bref, moi franchement ça me plaît pas du tout. J'aimerais pas que ça joue sa vie pour jouer ses médailles. Mais après, est-ce qu'il y a la nuque, etc. Ça reste à voir. Perso, je joue jamais pute, sauf si je connais quelqu'un en face. Bien sûr, quelqu'un que je connais IRL, parce que je me permettrai pas, surtout pas, non. Bon, j'aimerais juste dire un truc avant de finir cette vidéo. C'est pas parce qu'on déteste un détail d'un jeu qu'on détestera le jeu, loin de là. C'est juste qu'on sait repérer les détails, plutôt les défauts du jeu, et peut-être en parler à Treyarch, enfin envoyer des petits messages, email, etc. Et qui modifie ça en fait. Ensuite, c'est le deuxième code 4 qui sort, c'est un remasterisé. Le premier a fonctionné, hein, il a été plu par la communauté. Mais qu'on soit clair entre nous, un code quand il sort, c'est comme au loto. On sait pas s'il va plaire ou il va déplaire. C'est 50-50 quoi. Et quand un jeu sort, il a eu la chance d'être des 50% plus. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un deuxième jeu comme ça qui sort. Et peut-être que celui-là sera détesté. On sait jamais. Moi perso, j'attends infiniment Infinite Warfare et code 4. Je vais les acheter dès la sortie, je vous le dis direct. Pour certains qui disent que je suis un pigeon, ouais, c'est vrai. Non, plus sérieusement. Non, parce que c'est un jeu que j'achète depuis très longtemps et j'aimerais quand même tester ce jeu avant de dire qu'il est nul, etc. Bon, c'était Exorstorm, hein, c'est la première fois que je commande sur la Know Your Rage. J'espère que mon commentaire vous a plu. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que c'est vrai que je parle trop vite. Il y a un épisode Winx Club qui m'attend, donc j'ai décidé d'arrêter ce commentaire là. Je pense que j'ai dit les deux choses qui pour moi me déplairaient fortement sur Code 4. Ensuite, concernant l'achat de Infinite Warfare pour avoir Code 4, bah pour moi c'est normal quoi, parce que le jeu qui doit sortir normalement c'est IW et pas Code 4, et c'est déjà vraiment bien qu'il nous sort une remasterisée. Bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Exorstorm sur la Know Your Rage. Allez, ciao, bye bye.